Eh bien, salut tout le monde, c'est Patissman. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode de Patismod. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait hors caméra, parce que j'ai bien travaillé. J'ai rajouté non seulement aussi deux petits mods donc, qui peuvent servir, je vais vous montrer tout de suite. Donc, comme vous voyez ici, j'ai bien travaillé, j'ai tout fait ce que je voulais faire, comme je voulais faire. Et j'ai rajouté le mode Chisel. Donc qui nous permet de modifier n'importe quel bloc, enfin pas tout non plus, et le mode déconstruction table, donc je l'ai déjà construit, qui permet de décrafter les objets. Donc là genre si je fais ça, bah je reprends un lingot de fer, mais ça permet aussi de récupérer les engins qu'on sur les objets qu'on décrafte, donc c'est plutôt cool. Donc genre si j'ai des pets en trop ou quoi, je pourrais les décrafter. Donc d'ailleurs on peut regarder ça tout de suite même. Donc là on peut voir que j'ai ça en trop. Donc là après tout fois je l'ai qu'en une fois. Bah c'est simple, je fais ça, hop, je le mets dedans, tac, et je récupère tout ça. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout. Après j'ai amélioré tous les coffres parce que ça me saoule un petit peu d'avoir des coffres pas très très puissants. Juste ranger ça encore. Tac. Ensuite, en bas, j'ai un petit peu bossé aussi. J'ai crafté un deuxième four comme ça, ainsi que tout ce qui va dedans. Et j'ai fait en fait tout simplement un système où je mets mes minerais. Et bam, ça me transformera tous en minerais fondus. Ainsi que j'ai mis du charbon dans les fours, donc il y en a déjà dans les hoppers. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai pu faire pour l'instant, mais c'est déjà pas mal, on va dire. Voilà, donc j'ai un petit peu avancé dans la base. On va ranger ça, tout ça verra à rien. On peut aussi s'enchanter quelque chose, donc on va prendre tout de suite quelque chose. Je vais prendre ça d'abord. Je me demande juste qu'est-ce qu'on pourrait s'enchanter. Tiens, peut-être notre armure. À moins que on se crafte une nouvelle armure aujourd'hui. Donc je vais crafter l'armure d'émeraude déjà. Parce que j'ai été miné encore de l'émeraude et compagnie. Ouais, je suis reparti miner du coup aussi. Tac, et les petites bottes. Donc c'est pas comme ça, ça va être comme ça je suppose. Voilà. Donc on va voir à peu près ce que ça fait par rapport au plastron, tiens, par exemple. Alors le plastron m'en donne 4 et celui-là m'en donne 3. Donc l'armure en émeraude est moins intéressante que l'armure en obsidienne. Donc je ne lui mettrai pas celle-ci. Donc j'ai bien enchanté une partie de l'armure en émeraude. Donc on va enchanter le plastron. Niveau 30. On a une protection contre le feu et solidité 3. Donc ça va, c'est pas dégueulasse, on va dire. On va dire qu'il y a pire. Si jamais ça me plaît pas, je pourrais le décrafter dans tous les cas. Donc on va ranger ça. On va monter ça après. J'ai aussi récupéré un peu de rubis. Donc je vais pouvoir crafter encore un petit peu l'armure. Le plastron par hasard. Comme ça, si je l'ai pas. Hop. Et en saphir, j'ai pas assez pour faire quoi que ce soit. Enfin, je pense que j'ai déjà fait les bottes et le casque. Donc ça ne sert à rien. Je vais quand même vérifier au cas où. Ah non, j'ai pas fait les bottes. Donc je vais faire les bottes. Ça fera déjà ça en plus. Hop. Voilà, le saphir c'est vachement rare. Plus rare que le rubis, j'ai l'impression. Tac. Donc on commence à avoir un petit peu toutes les armures. Donc par contre il faudra un porte-armure pour l'autre armure. Donc au pire je vais prendre celui-là pour le moment. Et on met la petite armure en émeraude. Ça je vais le mettre ici même. Tac.
On va pouvoir aussi aller voir l'éléphant pour essayer de le monter. Donc on va juste faire dodo. On a pas mal de choses à faire aujourd'hui. C'est ça qui est pratique quand on travaille hors caméra. Donc j'ai dû aller plein de fois dans le Nether récupérer de ça. Donc la selle et le coffre là. Hop, c'est à peu près tout. Je pense qu'on essaiera de s'occuper du dragon aussi dans pas très longtemps. Je sais pas si on le fera cet épisode-là. Oui, j'ai rajouté aussi le portail ici parce que là-haut il me saoulait en fait. Je devais tout le temps aller jusque là-haut. Donc on voit que l'éléphant est vachement grand maintenant. Je pense qu'il est à la bonne taille. Yeah! Donc j'ai pu lui mettre tout ça. Hop, je lui ai mis ça. Et j'ai obtenu une clé. Ok. Je suppose que la clé, ça me permet d'aller dans l'éléphant. Et ok. Alors c'est pas très rapide comme déplacement, mais... Je trouve ça plutôt classe. Pour se déplacer sur un éléphant, c'est... C'est pas rien non plus. C'est super. Hop, je passe. Et on peut se balader comme on veut. D'accord, c'est super. D'accord. Bah, profite bien de ton petit séjour dans ton enclos. En espérant qu'il soit plutôt favorable pour toi. Voilà, donc c'est plutôt cool. Donc j'ai une clé, faut que je la garde précieusement. Donc j'ai recrafté un backpack aussi. Ok, j'ai un poulet, c'est pas grave. Ensuite, quoi d'autre? On a toujours notre petit bloc ici. Hop, là-dedans, il n'y a rien d'intéressant. Donc en bas. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va essayer de crafter des Wonderful Wand. Des trucs de Wonderful Wand. Donc j'avais pensé peut-être à celui-ci. Ou celui-ci, je trouvais qu'il avait l'air cool aussi. Il sert à faire pousser pas mal de choses. Donc ça peut être plutôt pas mal. Je sais pas. Au pire, je vais vous faire une petite ellipse, je vais regarder qu'est-ce que je peux faire et je reviens tout de suite. Alors, à tout de suite. Et re les amis, donc c'est bon, j'ai trouvé qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Donc changement de programme, en fait on a plein d'autres choses à faire. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est que on va déjà crafter la table pour faire des méga golems, là je sais plus comment ça s'appelle. Des titans. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur mode, on va aller sur Flint mode. Et là, on peut voir qu'on a table de fabrication des composants, table de modification et table de fabrication des véhicules. Donc nous, ce qu'on veut, c'est la table de fabrication des véhicules, entre autres. Donc on va la crafter. Hop, donc on va prendre ce qu'il nous faut. 1, 2, 3, 4, 5. Faut juste 3 en fait. Il nous faut un peu de fer. Ah oui, je vous ai pas dit aussi, j'ai farmé beaucoup d'argile. Donc pour faire les... Pour faire de ça là, de la fibre glace. Donc on a ça, on va faire des bols. Donc, 4 bols, c'est pas bien grave. Hop. Et on a ça. Une fois qu'on a ça, on va la mettre par là. Et là, on peut commencer à voir un petit peu les types de véhicules qu'on peut se faire. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les titans. Donc on a le proto-titan. On a plein. On a le 0 titan, après on a les trucs là, mais c'est encore autre chose. On a le proto-titan, on a le 0 titan, d'accord? Et on a l'alpha titan. En sachant que chaque titan a plus ou moins des caractéristiques à lui-même. Donc nous, on va regarder un petit peu par rapport aux objets qu'il faut surtout. Donc là, par exemple, merde, désolé, c'est pas fait exprès. Nous, ce qui nous intéresse, ce serait plus de faire un médium machin truc. Donc, entre autres, celui-là. Donc l'alpha titan. Non, j'ai de la merde. Attendez. Est-ce que celui-là, c'est encore un autre, d'accord?
Si ce qui nous intéresse, c'est plus celui-ci de base. Après, on a le Sérotitan qui est pas trop mal non plus. Mais on va déjà essayer de se faire celui-là, ça serait déjà vachement bien, je pense. Donc, on va déjà essayer de se crafter tout ce qu'il nous faut. Et puis voilà. Mais c'est pas notre objectif pour le moment, on va dire. Nous, ce qui nous intéresse pour le moment, ça serait déjà de se préparer en fait à comment dire, de se préparer pour la future dimension. Donc pour ça, on aura plusieurs choses. Donc déjà, il faut que je trouve, hein, bien sûr. Avec tous les blocs de chisel, c'est pas facile. Donc déjà, ça serait cool de se faire un arc du néant. Donc ça serait un arc qui serait un peu plus puissant que les autres. Donc il nous faudrait 3 cordes du néant. Et pour ça, il nous faut 6 ficelles, une enderpearl et 2 cuirs. Donc on doit avoir ça. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, j'ai mis 7, c'est pas grave. On enlève une. 2 cuirs. Et une enderpearl. Donc on va prendre toutes les enderpearls qu'on a, parce que ça va servir. Donc on fait comme ça, tac. Hop, et on a 3 cordes du néant. Avec ces 3 cordes du néant ensuite. On peut commencer à faire des alliages, mais déjà, on va déjà crafter ça. Donc il nous va falloir une émeraude, de l'obsidienne, et ça, en sachant que ça se fait avec un lingot d'or et ça. Donc ça, on va déjà en crafter un peu. Je pense pas qu'il y ait une armure en ça, de toute façon. Ça m'étonnerait. Non, il n'y a pas d'armure. Donc c'est pas très grave. Ensuite, on va faire. Tac. Tac. On va faire 14. Ensuite, on va prendre des petits lingots d'or. Voilà, ça nous en fait 14. Il va nous falloir une petite émeraude. Ensuite, il va nous falloir aussi de l'obsidienne. On fait ça comme ça. Tac, tac. Et on obtient ça. Donc avec ça après, on peut crafter notre arc. Et on a l'arc du néant. Donc voilà. Donc c'est un arc comme les autres, sauf que il y a la possibilité de tirer des flèches du néant. Donc on va tester. J'ai rien dit. Il sert que à tirer des flèches du néant en fait celui-là. Donc c'est bien ce que je pensais de base. Donc ça sert en fait à se téléporter, tout simplement. Donc on en craftera plusieurs. Donc ça sera un arc qui sera utile dans la dimension, donc on va le garder de côté. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Ça c'était le plus important que je voulais faire tout de suite. J'avais pensé à faire une nouvelle pioche aussi, parce que celle-là, ça va 5 minutes. Donc on va juste regarder rapidos. Donc il nous faut ça, et ça se fait comme ça. Alliage du néant avancé. Donc il nous en faudrait 3. Ok. Un peu de diamant, du fer. On avait déjà sur moi, c'est pas grave. Moi je vais en faire 3. Alors ça se ferait comme ça. Ah non, j'ai dit qu'on va faire que 1, je suis con. Ça suffira. Ouais, ça suffira. Tac, tac, tac. Sachant que ça sert à faire pas mal de choses. Regarde un petit peu, c'est vous, hein. Je découvre. Cœur d'union inactif. Ok. Ouais, mais j'ai plus de Ender Crystal. Ok.
Après tout ça, je connais pas trop, faudrait que je me renseigne. Donc ensuite, on fait tac, tac et tac. Donc une fois qu'on a ça, il va nous falloir aussi ça. Ça, c'est assez simple, il nous faut deux sticks et une ender pearl. Une fois qu'on a ça, on peut crafter la petite pioche. Avancer. Donc tac. En sachant que cette pioche, normalement, est plutôt efficace. Donc je testerai bien rapidement. J'ai pas un point où je peux aller. Voilà au portail de l'End. Profite pour les buter. Ok, donc une fois améliorée, je pense qu'elle va être plutôt puissante. Donc on verra bien, je l'enchanterai et tout. Je ferai ce qu'il faut faire. Aussi, du coup, je vais la mettre ici en attendant. Cœur du néant, non. Accessory story. Ok. Okay. Donc j'ai l'impression qu'on peut faire quelques petits trucs avec, on verra bien plus tard. Donc ça on va clairement le jeter par terre. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, je voulais faire quelques petits lucky blocks rapidement. Avec ça. Tout simplement dans le but. D'obtenir quelques petites récompenses, ça pourrait être pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 1, 3, 4, 5, 6 et 7. Je vais prendre ça. Je vais faire tac. Et hop, on se fait quelques droppers. Et ces droppers, on se fait des lucky blocks. On peut en plus en faire 6, c'est déjà cool. Hop, on va. Attends, je vais ranger ça vite fait. Aussi, un truc à savoir, c'est que le scorpion est montable. Donc, faudra que je le fasse grandir. Et tout simplement, que je lui mette une selle. Et j'utiliserai tout simplement dans la dimension Erebus. Donc des insectes, et il va me permettre de me déplacer assez simplement du coup dans la dimension. Ça peut être plutôt sympathique. Donc on va aller plus loin. J'ai pas vraiment peur de mourir ou quoi, ça me dérange pas en soi. Pas me laisser tranquille. Ouais, des outils en bois. Des TNT, c'est cool. Ouais. Du bois, je prends. Hein. Ça peut servir. Putain. On a la même chose là-haut, je crois. Et une fleur, donc. On a eu que de la merde, c'est pas très grave. Son l'or, je peux aller en chercher quand j'ai envie. On a toujours la Wyvern qui va très bien. Elle aussi, elle sera possible à prendre dans la dimension. Ça peut être assez sympathique même de l'utiliser. À savoir, dans le prochain épisode, on essaiera de commencer dans cet épisode-là si on a encore le temps. On essaiera d'aller tout simplement chercher. Juste regarder un truc, les amis. Tac, tac, ok. Comme ça, je sais à combien de temps on est d'épisode. À peu près 18 minutes, 19 minutes. On va. Bon, je pense qu'on le fera dans le prochain épisode. On essaiera d'aller chercher des nouveaux chevaux. Jusqu'à avoir un Pégase. Parce que j'aimerais bien avoir un Pégase en fait. Je sens que ce soit plutôt cool.
Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. La TNT. Sachant que la TNT, on va faire un truc tout de suite. C'est que je vais tout décrafter en fait. Du coup, parce que je obtiendrai plein de poudre à canon. La poudre à canon, si vous vous rappelez bien, ça sert à faire des munitions. Donc c'est plutôt sympathique. En plus, on obtient du bois. Du sable, et ça, c'est pas dégueulasse. J'ai été chercher du grès aussi dans le temple. J'ai été péter un peu le temple que j'ai trouvé. Voili voilou. Donc, ce que je vais commencer à faire, c'est crafter les parties du titan. Donc, il va nous falloir ce truc. Donc, par contre, je connais pas du tout les noms. Donc, il va falloir qu'on se débrouille sans connaître. Tac. Encore un peu buggy les interfaces, j'ai l'impression, mais c'est pas grave. Donc j'ai vu qu'il nous fallait ça, mais c'est pas ça que je vais faire tout de suite. Je vais faire je crois que c'est le cockpit hein, je suppose. On peut faire tellement d'armes les amis, on va se faire plaisir, vous inquiétez pas hein. Parce qu'on va devoir bien s'équiper. Tac tac tac, ici. Donc il nous faudra 5 fer et 3 cuir. Tac, et 5 fer. Donc le fer, on va le garder sur nous. Ça doit être comme ça, tac. Hop, on a le suit. J'ai une impression bizarre, c'est pas grave. Donc ça on a. Ensuite il nous faut, on va déjà préparer les colorants si vous voulez bien. Il nous faudra de l'angle de poulpe, mais du coup on peut pas en trouver. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais donner 5 lingots de fer contre 5 angles de poulpe. Je le ferai après parce que sinon ça va être gênant. Donc à la limite on fera les colorants après. Mais ça c'est bizarre. Putain, chaque fois que je me retourne, il y a une sorte de particule qui apparaît. Alors ça, je sais pas du tout qu'est-ce que ça va être. Attendez voir. Ouais, c'est à peu près la même chose dans tous les cas. Donc on va faire le gros, une sorte de gros moteur là. Donc il va nous falloir des advanced hydraulisques. Puis on va déjà falloir qu'on fasse des hydraulisques. Donc il nous faudra exactement 1, 2, 3, 4 trucs comme ça. Donc il va nous falloir 4 seaux d'eau et un peu de fer. Et des pistons aussi. Ouh, pistons j'en avais, c'est cool. Tac, on va remplir ça vite fait. Déjà quelques petits trucs hein. L'alpha titan c'est trop cool. Dans tous les cas c'est dans les défis de faire un titan. Il me l'a jeté par terre violemment. D'accord, bah il voudra pas dans tous les cas. Hop, on va faire comme ça, comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc on a nos 4 hydraulisques. Donc après avec ça, on doit prendre 2 seaux de lave et 2 sticky pistons. Des seaux de lave, bah j'en ai qu'un seul. Il va falloir que j'aille chercher de la lave, bien sûr. Je sais où je vais en trouver, vous inquiétez pas. Il va nous falloir en tout 4 sticky pistons, donc il va falloir refaire des pistons. Tac, on va refaire quelques-uns. On va prendre genre ça, on va transformer direct. Toc. Hop, donc on va faire comme ça, U, R. Tac, et on fait, je
Bam. 16 pistons. Ensuite, il va nous falloir 4 boules de slime. Je peux juste me mettre les sticky pistons. Attendez, c'est quoi ça? Oh là là, c'est quoi ce truc? C'est peut-être pour l'écran machin du mode Flans, hein, mais niveau Star Wars. Bref. Hop, on fait comme ça. Et ensuite, on fait. Il va nous falloir encore deux sauts de lave. Ok. Quoi faire, hop, portail de l'Ender, et après le craft là, on s'arrêtera là, les amis. Hop, c'est bon, ouais, pas une maison. Sachant aussi que j'ai déplacé le waypoint un petit peu parce qu'il me saoulait ici, et j'ai supprimé beaucoup de waypoints, comme vous pouvez le voir, il reste plus que ça. C'est les plus importants selon moi. Tac, tac. Tac. Donc on finit juste de crafter le petit cockpit. Donc il nous faut un diamant, un bloc de redstone et 5 vitres. Un diamant, un bloc de redstone et 5 petites vitres. On fait tac et on a le medium diamond body. Donc lui c'est le. En gros ça sera tout le bordel là en gros. Donc il nous manquera pas mal de choses, on va juste regarder rapidos comment on les fait. Il va nous manquer deux trucs comme ça. Donc putain ça va nous demander ça. Ok. Et il va nous falloir deux trucs comme ça. Ouais, en gros il va nous falloir beaucoup de titres risques. Ça va être trop chiant à faire, mais c'est pas grave. Vous inquiétez pas. On les fera tranquillement de toute manière. Juste c'est quoi ça? Ah d'accord, c'est l'engine, ok. Donc comment on craft tous ces bordels là? Oh putain. Ça on craft comment? Oh, ça va demander énormément de fer hein, les amis. C'est pas très grave, dans tous les cas j'irai miner je pense. Nous on va se laisser ici pour aujourd'hui les amis. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu comme toujours. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo, tout ce que vous voulez. Je vais juste mettre ça là-dedans. Voilà, ce sera tout ce qui nous permettra de faire fonctionner. Et puis du coup, je vais vous dire à la prochaine pour le prochain épisode de Batman. C'était Batman. Ciao tout le monde.